Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 625, nan rubrique noir, ma Bible, mon trésor. Encore une fois, nous allons vous citer une nouvelle raison pour laquelle le chrétien doit étudier les Saintes Écritures. Tendez bien, zami mwen. Chrétien, li doit étudier la parole de Dieu parce que la Bible est le fondement ultime de sa foi. Zami mwen. Sou ki sa la fwa kanpe? E repons a kesyon sa pral fè nou wè tout la diferans antre celui ki e reèlman kretyen e celui ki ne lè pa. Bon mdou bien zami mwen, bon konsyans ou pa sufi pou fè de ou mèm yon kretyen. Nesesèrman ou dwe posede la fwa. Men fwa la li dwe kanpe sou yon baz solide. La fwa biblik na ki le sous unik, la parole de Dieu. Romains 10 verset 17 dit, ainsi la fwa vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pou fè yon histoire longue vin kout, verset a explique nou, la fwa vient de la parole de Dieu. Et ça, c'est yon principe général. La foi en Dieu est toujours fondée sur les promesses de Dieu. Et puis tout, ou qu'on est déjà, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et l'existence de Dieu et les responsabilités qui nous incombent par rapport à cette existence nous est révélée dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Hébreux 11, verset 1er, nous enseigne « La foi, c'est assurance et confiance. » Ou bien « La foi est une assurance des choses qu'on espère. » Et bagay sa yo mwen espere ya. C'est pas mwen imagine yo non. C'est pas monte yo monte dans l'esprit mwen non. C'est dans parole bon Dieu mwen joine yo. La foi chrétien yan kampe chita basé sur la parole de Dieu. D'où le chrétien, pour grandir dans la foi, doit nécessairement étudier la parole de Dieu. En tournant dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. D'où notre foi peut grandir lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Tendez bien, pas de chrétien sans la foi. Même j'entends pas gain la foi sans la déclaration de Dieu, sans les Saintes Écritures, sans la révélation de Dieu. Tendez bien, zami mwen. Ou pas chrétien parce qu'on senti ou c'est chrétien. Ou chrétien parce que bon Dieu déclaré à travers sa parole, parce que ou mettez confiance ou dans la personne et le sacrifice de Christ, vous êtes chrétien. Ou pas chrétien parce que vous avez le sentiment d'être chrétien. Ou pas chrétien parce que gen pile l'autre monde qui chrétien, ou chrétien parce qu'on mettait confiance ou dans parole bon Dieu. Ou pas chrétien parce que le christianisme c'est la plus ancienne des religions, ou c'est chrétien parce que l'auteur de votre foi, le Dieu tout-puissant créateur et sauveur vous a donné un livre et dans ce livre nous avons ses promesses, ses paroles. Si c'est l'homme mettait confiance ou dans parole bon Dieu. Laisse ça ou c'est chrétien. C'est simple. D'où, encore une fois, la Bible est le fondement ultime de notre foi. Tout ce que le chrétien est et croit est basé sur la parole de Dieu. D'où son nécessité que lié pour chrétien qu'on est étudier la parole de Dieu. L'apôtre Jean a expliqué la raison pour laquelle il a été poussé par le Saint-Esprit d'écrire l'évangile de Jean. Au chapitre 20, le verset 21 de son livre, il dit « Afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Même notre salut est reposé sur la parole de Dieu. » Les Saintes Écritures. Ainsi, notre vie tout entière en tant que chrétien est reposée sur les Saintes Écritures. Le chrétien doit nécessairement étudier la parole de Dieu parce que la Bible est le fondement ultime de la foi chrétienne.
Nous espérons que parole ça non seulement a affermi ou soudé ou dans la foi, mais également y a servi de motivation pour pouvoir consacrer du temps pour capable lire, étudier et pratiquer la parole de Dieu. Ainsi soit-il dans votre vie. À la prochaine.